Aubin à 20 mètres qui va peut-être écarter. Non, il va tenter sa chance. C'est pas cadré, mais c'est bien tenté de la part de, du milieu de terrain palois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu encore mer comme ça à côté palois. C'est bien frappé. Ouh, ça passe au-dessus. Là, il y a eu un petit peu de cafouillage, mais monsieur l'arbitre indique une main. Vincent Hill, et c'est le but, le premier parfait, et c'est l'ouverture du score dès la 10e minute pour le Pau FC. Vincent Hill, son petit international luxembourgeois qui profite de ce pénalty. C'est bien joué le dédoublement là, et le Lyonnais qui vont centrer. C'est passé juste à côté. Bruno Hurles qui a voulu peut-être donner un peu de complémentarité, un peu plus de complémentarité. Attention, Georges qui va tenter sa chance de loin. C'est vrai que les espaces se font rares à exploiter. Hein. Ouais, belle bataille au milieu de terrain. Attention à Banor là. Oh, c'est bien tenté, ça passe juste à côté. Ah, Julien qui joue en deux temps, le corner. Julien encore à l'entrée de la surface. Attention, sur son pied gauche, il va frapper. C'est au-dessus. Silla, contrôle. Ah, il lance style, baf, magnifique. Ah, là, il y avait peut-être mieux à faire là du côté de Vincent Hill. Lyon Duchère qui cherche toujours à égaliser. C'est long, c'est au deuxième poteau, c'est une belle remise de la tête. Attention, entrée de la surface, c'est bien tenté ça. Mais c'est jugé par Alexis Guendouze. Attention, Tuta qui est parti dans le dos de la défense. Il est côté droit, il va essayer peut-être de trouver un partenaire dans l'axe. C'est bien défendu, mais il est passé quand même avec sa puissance. Et c'est pénalty. Pénalty. Allez, Cédric Tuta, Alexis Guendouze, Cédric Tuta qui frappe. Et c'est contre-pied, exactement le même pénalty que tout à l'heure Vincent Hill, sur le même but. C'est le contre-pied parfait et c'est l'égalisation lyonnaise. Karim Mokedem qui est récompensé. Rivas pour Julien, Julien qui s'engouffre, qui trouve Tuta. Tuta pour Rivas, frappe de Rivas, enroulé, ça passe juste à côté. Vincent Hill sur son pied gauche qui va tenter peut-être un crochet du droit. Une belle frappe du droit, ça passe juste à côté. Avec Thiel côté pied gauche. Oui, c'est magnifique. Quel ballon de Vincent Hill. Oh là là, il a perdu. Versé, mais c'est but. Magnifique. Oh là là. Magnifique. Et c'est quel ballon de Vincent Hill, une fois de plus, qui met le Palois dans les meilleures dispositions. Burry qui récupère le ballon. Pour Guilavogui qui est passé. Il a fait du jeu de corps, il est passé. Il s'engouffre dans la surface. Il frappe pas. Et c'est bloqué par Maxime Aubois. Thiel qui continue à s'engouffrer, qui c'est peut-être un peu long pour Mohamed Guilavogui qui va quand même récupérer le ballon, qui remet pour Vincent Hill qui se met sur son pied droit. Oh là là, c'est à côté. Oh, magnifique action entre les deux attaquants palois là.